Levons-nous, nous allons prier et recommander la réunion entre les mains du Seigneur. Gloire et louange, alléluia. Notre Dieu, nous voulons réellement t'honorer parce que sans toi nous sommes perdus. Nous sommes réellement reconnaissants, notre Dieu, de ce que tu nous as réellement gardé, de ce que tu nous as réellement protégé. Seigneur, nous étions éloignés de toi, mais par ta grâce et par ton amour, Seigneur, tu nous as manifesté un amour que personne ne peut réellement manifester. Tu nous as réellement témoigné d'une faveur que personne ne peut nous accorder, notre Dieu. Nous voulons réellement te louer, Seigneur. Nous voulons réellement t'adorer, notre Dieu. Te remercier pour tout ce que tu nous aides de faire pour nous. Seigneur, merci parce que nous avions prié, Seigneur. Et toi, tu as entendu nos prières parce qu'aujourd'hui, tu as rendu ce jour possible, Seigneur. Nous voulons réellement être reconnaissants parce que nous avions réellement prié pour que ces réunions puissent réellement arriver, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions les commencer avec toi, que tu sois au rendez-vous, notre Père, que tu puisses nous bénir, Seigneur, que tu puisses nous remplir, notre Dieu, que tu puisses nous visiter, Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons réellement nous retrouver dans ta maison. Combien nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de notre Père. Seigneur, c'est dans cette maison, c'est dans ces moments-ci, Père, que toi tu viens réellement nous visiter. C'est dans ces moments, Seigneur, que toi tu nous fais du bien, Seigneur. Nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos pays, nous avons quitté nos endroits où nous étions pour nous retrouver dans la maison de notre Père. Père, viens réellement, sois fidèle au rendez-vous. Ne nous oublie pas, Seigneur, ne nous abandonne pas, mon Sauveur. Que le Seigneur soit béni. Nous chantons le 105, on est pas numéro 105. Numéro 105. J'ai trouvé en Jésus la vie. Thank you.
bénis. C'est une grande grâce de me retrouver parmi tous mes frères et sœurs ce soir. Je suis vraiment très content. On a l'habitude de vous voir par Internet. Mais là, on vous voit en réalité, c'est mieux. Amen. Une fois, merci Seigneur pour l'Internet. C'est une vraie merveilleuse grâce d'être en communion avec vous toutes les semaines. Nous vous aimons beaucoup. Amen. Nous sommes une vraie famille. Amen. Pas du tout des doigts, mais une véritable famille. Amen. Je crois qu'on a une grande famille autour de la terre. Amen. Et souvent je me dis, je voudrais qu'autour de ce globe terrestre, que nous formions tous une ronde, la main dans la main. Amen. Oh, Dieu soit loué. Amen. Et je sais que cela viendra comme ça. C'est peut-être imagé, mais c'est du fond du cœur, je le désire vraiment. Amen. Une vraie famille. Il n'y a pas de prix pour cela. Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voulais donner un témoignage à la gloire de mon Seigneur bien-aimé. Il y a environ deux mois, je me suis fait opérer du genou. J'avais eu la prostate et puis l'opération du genou. Je sais que vous avez prié pour moi, pour cela. C'était une grosseur qui était là, qui s'écrasait quand je me mettais à genoux. C'était gênant. Donc on a fait extraire cela, et donc bon, il n'y avait pas de problème, mais ils ont fait des agrafes et tout cela, puis au bout d'un certain temps, quand c'était ressoudé, il a fallu enlever les agrafes. Alors l'infirmière, elle enlève un fil, deux fils, trois fils, et le quatrième fil, elle tire à droite, elle tire à gauche, elle tire dans tous les sens, le fil ne veut pas venir. Alors avec son ciseau, elle essaie de charcuter un peu là-dedans, puis alors moi j'ai dit, ça se passe pas bien, le fil ne veut pas venir, puis je ne pouvais pas communiquer parce que moi je suis français, elle est allemande. Alors le problème de la langue, mais j'étais vraiment dans une paix, dans une tranquillité, vraiment, le Seigneur me gardait parce que le Seigneur avait déjà prévu tout cela. Nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes heureux. Nous voyageons tous vers le ciel. Nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes heureux. Nous voyageons tous vers le ciel. Sans toi, alléluia. Sans toi, alléluia. Sans toi, alléluia. 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 Sans toi, alléluia.
particulièrement le psaume chapitre 133, nous disons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 133. Nous disons la parole du Seigneur. Alléluia. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Je connais ce Dieu puissant, qui relève tous les défis, que me porte s'il est ma sujet. L'Éternel est dans les temps, l'Éternel est dans les temps. Pour chaque main qui a battu à ton nom, à toi, bénémoine, Père puissant, et chaque cœur qui t'a réellement aimé, porté, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs, en condition, cette pays, mon bénémoine, Père. Tant à moi, si prier, mon roi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Remercions-le, Seigneur, notre Dieu, pour ce moment qui nous accorde la grâce de pouvoir avoir. C'est un des réunions qui nous donne aussi, nous commençons aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur nous introduise dans cette nouvelle année. Nous voulons vraiment lui être reconnaissants pour son amour. Rosa, nous voulons vraiment passer ce temps avec lui.
pour lui montrer aussi combien nous sommes heureux de pouvoir l'avoir, combien il a marché avec nous tout au long de cette année-ci. Nous voulons vraiment être à ses pieds, vraiment être dans sa présence, pour qu'il soit aussi honoré et glorifié. Nous voulons lui montrer combien nous nous sommes reconnaissants pour tous ses hauts faits, pour son amour, parce que jusqu'à ce jour, nous a conservé la vie, soufflé la grâce de pouvoir encore continuer encore la marche, afin de pouvoir réellement aussi être à son service comme il le veut. Que Dieu soit béni pour nos frères et sœurs qui sont venus de loin, de l'Allemagne, notre précieux frère Darcel avec et sa famille, notre sœur Marie, notre sœur Marie, et notre sœur Marie-Françoise, et aussi Marie-France, pardon, et aussi la petite aussi, qui sont donc venus de loin, et aussi nos précieux frères, mon précieux frère Daniel, que Dieu soit béni. Amen. Mon précieux frère Yves, amen. Nous sommes heureux ce soir. Amen. Ils ne sont pas aussi venus seuls avec nos précieux frères et sœurs. Ah, notre sœur, vous savez, parfois les noms, hein, Sonia, hein, que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous sommes heureux d'avoir nos bien-aimés qui sont venus de loin, de près aussi, hein, pour que nous puissions avoir communion ensemble ce soir. Et nous voulons que le Seigneur nous aide. Ce que nous puissions vraiment passer de bons moments dans sa présence. Amen. Et surtout, ce dont nous avons besoin, c'est que le Seigneur soit là. Amen. Nous le désirons qu'il puisse vraiment nous accorder cette grâce, que pendant ces jours, il y ait une transformation, encore une approche plus proche encore de lui. Que nous puissions vraiment expérimenter encore cette main puissante. Comme mon précieux frère Christian aime bien le dire, Dieu va faire encore. Amen. Nous voulons que notre Dieu fasse encore. Nous voulons vraiment qu'il devienne palpable, effectivement, pour nous, que nos cœurs et nos âmes puissent retrouver un réconfort, quand bien même l'extérieur, les choses sont tellement en turbulence, mais au-dedans de nous, nous avons l'assurance et la certitude que vraiment nous ne sommes pas dans une histoire, mais nous sommes dans la réalité. Amen. Quand les hommes à l'extérieur ne comprennent pas, nous nous comprenons. Amen. Nous savons que notre Dieu est un Dieu réel, et qu'il est vivant et qu'il est vraiment présent. Il a les oreilles, notre Dieu, il entend nos prières. Il a une bouche, notre Dieu, il nous parle. Il a les yeux et il nous voit aussi. Nous le remercions de ce qui nous tient aussi par sa main pour nous conduire, parce qu'il est vraiment notre guide et notre consolateur. Amen. Ce soir, il y a donc la joie de pouvoir recevoir mon précieux frère. Il venait donc donner la possibilité à chacun de pouvoir aussi passer, donc, pour dire un mot de salutation. Et comme vous savez, vous les aimez aussi. Amen. Moi aussi, également, aussi. Et nous voulons que le Seigneur bénisse chacun. Je voulais donc inviter mon frère Daniel à venir, effectivement. Que Dieu te bénisse. Viens, mon frère. Comme ça, tu as l'occasion d'apporter mon salutation aussi au peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes dans la joie ? Amen. Je suis dans la joie. Parce que c'est vrai que cette année se termine. Mais ça me rappelle une chose. Si cette année se termine, ce sera une année de où nous serons plus proches du Seigneur. Amen. Mais en attendant, nous devons veiller sur notre salut, Amen. Veiller à rester debout. Et ça, ce n'est pas une petite chose, parce que nous savons que nous sommes dans des temps difficiles. Mais Dieu nous promet de pouvoir nous accompagner, Amen. De pouvoir être notre soutien, Amen. De pouvoir combattre aussi pour nous, Amen. Et de pouvoir combattre avec nous. Amen. Alors, nous ne sommes pas seuls ce soir. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. C'est vrai que il est dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes plus que deux ou trois. Amen. Et j'aime croire que nous sommes au nom du Seigneur, réunis en son nom. Amen. Alors il est là. Amen. Et c'est vrai, comme notre Père a dit, et nous savons que les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées. Amen. Et par la grâce de Dieu, c'est vrai que nous aurons l'occasion, en tout cas pour ma part, de nous revoir. Mais je sais que je peux m'attendre vraiment à la puissance de Dieu. Amen. Mais pour cela, il faut que je puisse faire sa volonté. Parce que si je ne fais pas sa volonté, je ne peux pas recevoir de la part de mon Seigneur les bienfaits qu'il me promet.
mais je sais que si je fais sa volonté, alors les bontés de l'Éternel seront encore en abondance au milieu de son peuple. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez les bontés de Dieu? Amen. Est-ce que vous voulez sa bénédiction? Amen. Est-ce que vous voulez terminer cette année et commencer l'autre dans la présence de Dieu? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et je dirai, comme le Seigneur a dit, qu'il soit fait selon votre foi. Amen. Amen. C'est vrai que c'est une joie. Et en venant ici avec mes bien-aimés, je vous apporte les salutations. Aujourd'hui, je dégage l'obligation de mon frère. Parce que c'est vrai que c'est un accord entre nous. C'est un ordre permanent. Amen. Quand je ne suis pas là, il vous remet mes salutations. Amen. Et moi, j'ai fait de même à Jomap. Amen. Parce que nous nous aimons. Amen. Mais ici, je le dégage. Amen. Je vous apporte les salutations des bien-aimés de Jomap. Amen. Et aussi de mon épouse. Amen. Elle est connectée. Amen. Elle m'a dit, remets mes salutations. Amen. Quand elle est connectée, je ne veux pas en rentrant ce soir qu'elle me dise, tu m'as oublié. Je ne l'oublie pas. Amen. Mais que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je voudrais juste lire avec vous un passage ou deux, parce qu'il est bon pour nous de pouvoir vraiment connaître la parole. Et si nous sommes réunis, ce n'est pas juste pour m'entendre vous dire bonjour et vous dire que je suis heureux. Si nous sommes là réunis, c'est pour pouvoir savoir ce que le Seigneur veut nous dire, amen, afin que nous puissions progresser. Il faut que nous allions de l'avant. Nous ne pouvons pas rester sur place. Parce que si nous restons sur place, nous allons en arrière. Parce que les autres avancent. Mais Dieu veut un peuple qui avance. Amen. Et qui avance de l'avant. Amen. Alors, c'est vrai que les temps sont difficiles, mais il est vrai aussi que nous devons véritablement travailler avec crainte et tremblement sur notre salut, et nous devons veiller sur toute chose dans notre vie. Parce que il est bon de savoir que rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas quand nous sommes partis que nous pouvons changer quoi que ce soit. C'est avant. C'est avant que nous devons travailler. C'est avant que nous devons prier, intercéder, prendre du temps avec Dieu. Parce que c'est vrai que, oh, s'il est dit que nous voulons Dieu même dans nos dîmes, mais nous voulons Dieu même dans le temps que nous lui consacrons. Combien de fois, et moi le premier, parce que je ne suis pas là pour vous pointer du doigt, parce que je sais... Mon beau-père disait un jour, « Sache que quand tu pointes le doigt vers quelqu'un, il y en a trois qui te regardent. » Et c'est une réalité. Parce qu'il est bon de pouvoir vraiment être fidèle à la parole de Dieu. Il n'y a que comme ça que nous hériterons le royaume. Ce n'est pas en disant « Je connais le Seigneur » et même en disant « Seigneur, Seigneur » comme il est dit dans la parole de Dieu. Parce que ça, c'est trop facile. Regardez autour de vous, il y en a qui disent « Seigneur, Seigneur ». Beaucoup. Mais beaucoup ne seront pas parmi ceux qui partiront. Malheureusement. Parce que même dans ceux-là, comme il est dit dans la parole de Dieu, il y a des ouvriers d'iniquité. Mais nous ne devons pas et ne cherchons pas à être semblables au plus grand nombre. Soyons semblables au petit nombre, ceux que Dieu s'est choisis. Parce qu'il est dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et tant que je chercherai à faire la volonté de Dieu, tant que vous chercherez à faire la volonté de Dieu, vous pouvez espérer de pouvoir être dans sa gloire. Amen. Parce que ce passage dit non seulement que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais ceux-là seuls, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ce que je voudrais pouvoir lire avec vous, c'est justement faire la volonté de Dieu. Parce que des fois, par précipitation, on veut entreprendre des choses. Même si on peut dire que ça part d'un bon sentiment. Mais faire les choses, même pour Dieu, avec précipitation, ce n'est pas toujours faire la volonté de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est de savoir le questionner. Mais c'est aussi savoir attendre sa réponse. Parce que le Seigneur nous répond parfois de suite, mais deux fois le Seigneur nous fait patienter pour nous apporter la réponse. Mais ce que je sais,
c'est que le Seigneur nous répond toujours. Amen. Parce qu'il ne manque pas à répondre à ses enfants qui crient à lui. Amen. Parce que le Seigneur nous entend, le Seigneur nous voit. Même son peuple qui était rebelle, qui était dans le désert, quand ils étaient en train de se lamenter auprès de Moïse et être en colère sur Moïse et sur Dieu, puisqu'ils regrettaient ce qu'ils avaient en Égypte, Dieu savait entendre son peuple qui criait. Et quand il réclamait de quoi se nourrir, l'Éternel a répondu par la manne qui descendait tous les jours. Parce que Dieu entend, Dieu voit. C'est vrai que quand nous nous adressons à lui, sachons une chose, il n'est pas nécessaire de relater la journée en disant « Seigneur, tu vois, ce matin j'ai eu l'occasion de voir un tel frère, une telle sœur ». Et Seigneur, tu vois ce que je lui ai dit, tu vois ce qu'il m'a répondu. Quelque part, c'est de l'incrédulité, c'est de croire que Dieu n'est pas au courant de toutes choses. Quand vous parlez de lui, ne vous inquiétez pas, ses oreilles entendent. Parce que quand son nom est invoqué, l'Éternel est là. Alors, sachons qu'il est l'auditeur silencieux de nos conversations. Et même dans nos conversations, apprenons à faire sa volonté. C'est de l'abondance du cœur dont je parle. Mais parle de quoi? De ce que nous entendons de la parole de Dieu. Et c'est vrai que dans ce monde, oh, si vous les rencontrez, malheureusement, si vous voyez les gens du monde, on va vous parler du temps, et de la pluie, et parfois de la santé de ceci, de cela. Mais nous, là, c'est vrai qu'il y a ces choses. Mais nous pouvons dire merci Seigneur parce que tu nous gardes. Mais ce qui m'intéresse de savoir, ce qui m'intéresse de parler, c'est tout ce qui concerne mon Père. C'est tout ce qui concerne Dieu. Jésus, quand il était dans le temple, et que sa maman et son papa le cherchaient, ils ont cherché toute la journée après lui. Il a dit, mais il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Parce qu'il était là, il enseignait. À 12 ans, il enseignait dans le temple. Et nous en avons 40, nous en avons 50, nous en avons 60. Nous en avons peut-être plus ou peut-être moins. Et parfois, nous ne sommes même pas capables de citer un passage convenablement. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toujours ce désir dans notre cœur de le chercher en toutes choses et de faire sa volonté en toutes choses. Mais quand nous cherchons à faire sa volonté, alors nous pouvons dire « Seigneur, sois béni ». Parce que le Seigneur nous dit et nous fait une promesse. « Ouvre ta bouche et je la rends ». Il ne la remplira pas des choses de ce monde. Les choses de ce monde ne nous appartient pas. Il y a ce cantique merveilleux, ce monde ne nous appartient pas. Et c'est vrai, nous y sommes. Et comme le Seigneur a dit, quand il a prié dans le jardin de Gethsémané pour ses disciples, il n'a pas dit de les ôter de ce monde, il a dit de les préserver de ce monde. Et croyez-moi que, en disant cela pour les siens, il le disait aussi pour vous. Même si vous n'étiez pas encore là, puisque le Seigneur était venu pour faire la volonté de son Père. Et la volonté de Dieu, c'est que tout homme vienne à la connaissance de sa parole. Et parce qu'il veut que nous ayons la connaissance de sa parole, il veut que nous puissions faire sa volonté et que nous n'ayons pas l'attirance et l'amour de ce monde. Quand nous partirons, ce monde restera. Nous aurons autre chose. Nous aurons le pays promis, la Nouvelle Jérusalem. Là où nous pourrons être dans la demeure que le Seigneur lui-même aura préparée. Vous vous rendez compte? Quelle grâce le Seigneur nous fait? De ses mains, il aura préparé votre place. Il aura préparé ma place. C'est vrai qu'il est dit aussi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mais je ne serai pas jaloux si mon frère a une plus belle demeure que moi. Je ne serai pas jaloux si mon frère ou ma sœur ont une plus belle demeure que moi. Je dirais, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Parce que même si ma demeure est plus petite que la leur, ou est différente, je me réjouis, c'est que je suis à l'intérieur. Amen. Et à l'intérieur, je suis avec mon Seigneur. Amen. Et c'est vrai que Dieu nous accorde la demeure suivant les talents que nous aurons reçus, et suivant ce que nous aurons rapporté au Seigneur. Mais pour rapporter des intérêts, des talents qu'il nous donne. Il faut faire sa volonté. Amen. Alors que Dieu soit béni. Amen. Je vous invite juste à prendre. On lira, si vous voulez bien, dans Hébreux,
Hébreux 10, et le verset 7. Hébreux 10, verset 7. Il est écrit: alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et un autre passage, bien sûr, que nous connaissons aussi parfaitement, c'est dans Matthieu, Matthieu 26, et le verset 42. Matthieu 26, et le verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Le Seigneur, il est venu pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que nous connaissons de ce verset que nous connaissons tous, Jean 3, 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le Seigneur, lui, il savait qu'il était venu pour faire la volonté de Dieu. Mais c'est vrai que aussi, quand il est dans le jardin de Gethsémané, oh, il savait que le moment allait être dur pour lui. Il savait que les moments difficiles allaient arriver pour lui. Parce que là, il allait véritablement souffrir, non seulement dans son corps, mais aussi à l'intérieur de lui, parce que vraiment les moments dans lesquels il allait passer allaient être des moments pénibles. Vous savez, quand le Seigneur est venu, c'est afin de nous apporter le salut. Et par le salut qu'il nous a apporté à la croix, le Seigneur a pris toutes choses sur lui. Lui qui n'avait jamais péché, il s'est fait péché pour chacun d'entre nous. Et il a pris toutes choses. Vous savez, souvent je dis, afin que nous puissions réaliser et relativiser les choses, quand nous avons mal à la dent, oh, nous prions et disons: Seigneur, qu'est-ce que j'ai mal là-dedans? Et on souffre énormément. Oh, à l'occasion, on va prendre un cachet ou l'autre pour essayer d'apaiser ces choses. Et quand on a mal la tête, on dit: Seigneur, qu'est-ce que j'ai mal la tête? Si j'ai mal au rein, ou mal au ventre, ou mal aux pieds, ou que nous ayons mal un peu partout, on dit: mais Seigneur, oh, mais qu'est-ce que j'ai mal? Et on se lamente. Alors que lui, pour faire la volonté de Dieu, il a pris toutes ces choses. Imaginez que vous ayez mal la tête, mal aux dents, mal au corps, mal aux muscles, mal aux os, mal au ventre, et que vous ayez mal partout en même temps. La douleur serait tellement forte qu'elle serait insupportable. Mais le Seigneur, non seulement il a pris toutes ces choses en même temps, mais il l'a pris pour chacun d'entre vous. Amen. Il a véritablement souffert. Et le moment où il a vraiment senti la souffrance, c'est quand Dieu s'est retiré de lui. Eli, Eli, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est vrai. Parce que là, il fallait qu'il soit seul. Il fallait qu'il se livre. Il fallait qu'il souffre véritablement pour vous. Alors, la grâce que Dieu nous a faite, sachons-la lui donner une valeur. Vous savez, quand on parle de la grâce de Dieu, souvent on se dit: merci Seigneur pour la grâce. Mais connaissez-vous la valeur de la grâce? Connaissez-vous l'importance de la grâce? On ne peut pas chiffrer la valeur réelle de la grâce. Parce que ce serait encore limiter la grâce de Dieu. Mais je dis merci Seigneur. Parce que il nous permet de temps en temps de pouvoir réellement penser. Et penser que le Seigneur nous a accordé une chose tellement merveilleuse, qu'il est bon de ne pas profiter malhonnêtement de la grâce de Dieu. Parce que vous savez, beaucoup profitent de la grâce de Dieu en étant au milieu du peuple qui est béni, et quand le peuple est béni de la puissance de Dieu, la Bible dit
La pluie tombe sur le blé et sur l'ivraie. Et même l'ivraie profite de la pluie. Mais la bénédiction est une bénédiction volée. Alors si nous ne valorisons pas la grâce de Dieu que Dieu nous a fait, les bénédictions sont un peu volées. Mais quand réellement nous pensons, Seigneur, qu'est-ce que tu as dû souffrir ? Vous savez, rien que de penser ce que le Seigneur a dû endurer, cela devrait nous faire mal au ventre. Cela devrait vraiment nous prendre dans les tripes et dire, mais Seigneur, à cause de moi, tu as souffert ces choses. Ne pensez pas simplement aux autres en disant, Seigneur, à cause de lui, à cause d'elle, tu as dû souffrir énormément. Ils sont, votre frère, votre sœur est peut-être meilleur que vous aux yeux de Dieu. Mais disons simplement, Seigneur, à cause de moi. Seigneur, je t'ai tellement fait souffrir. Et je sais une chose, si vous aviez été tous parfaits, si le monde avait été parfait, si j'avais été le seul à être pécheur, mon Seigneur serait venu de la même façon. Et aurait souffert de la même façon pour moi. L'amour de Dieu est incomparable. L'amour de Dieu est incommensurable. Et il y a ce cantique que nous avons chanté, l'amour de Dieu, tellement large qu'on ne peut le contourner. C'est vrai, tellement haut qu'on ne peut le surmonter. Tellement profond. C'est vrai que l'amour de Dieu est profond. Amen. Mais c'est véritablement des expériences que nous faisons avec le Seigneur. Et faisons ces expériences. Cherchons des expériences avec Dieu. Vous savez, des expériences sont toujours enrichissantes pour notre foi. Et c'est vrai que quand nous faisons les expériences avec le Seigneur, on apprend à être patient. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Et il veut que nous puissions grandir non seulement dans l'amour, il veut que nous puissions grandir dans la patience, il veut que nous puissions grandir dans notre foi, il veut que nous puissions grandir dans notre sagesse. Notre vie de chrétien n'est pas juste le jour où nous avons cru au Seigneur. Ça, c'était le début. Mais après, c'est une croissance continuelle. Vous vous souvenez, la fois, je vous ai dit, quand nous voyons, et nous avons notre frère Renzo qui a eu une petite fille, enfin, son épouse, a une petite fille, quelques semaines, on dit, Seigneur, béni sois-tu parce que tu as donné un bébé tellement merveilleux. Et je peux le dire, ce bébé est magnifique. Mais si je revois ce bébé dans 25 ans et qu'elle est toujours comme aujourd'hui, je ne dirais plus, ils sont heureux. Je dirais, pauvres parents. Parce que ce bébé qui a 25 ans est toujours pareil. Quelle déception. Mais comparons-nous à ce bébé. Comment sommes-nous? Comment êtes-vous? Comment suis-je aujourd'hui? Par rapport au jour où je suis venu à la connaissance, ou le jour où je suis né dans le Seigneur. Est-ce que je suis encore le bébé? Celui qui se lamente et qui pleure pour un oui, pour un non? Ou est-ce que j'ai grandi depuis? Est-ce que j'ai appris à faire confiance au Seigneur? Est-ce que le Seigneur véritablement m'a élevé à lui? Ce sont toutes des choses que nous devons penser à nous-mêmes. Ne pensez pas ces choses pour vos frères. Parce que, vous savez, l'ennemi qui est rusé, il va vous faire voir votre frère et votre sœur comme étant moins que vous. Et qu'est-ce qu'il va vous faire voir? Ce sont toutes ces choses négatives qui sont en lui. Mais Dieu nous apprend à voir ce qui est positif en notre frère, en notre sœur. De pouvoir voir notre frère et notre sœur comme étant supérieurs à nous-mêmes. C'est ce que dit la parole. Alors que nous puissions apprendre véritablement à grandir dans le Seigneur et grandir en sagesse. Afin que ce soit non pas notre sagesse, parce que la sagesse des hommes, elle est folie pour Dieu. Mais grandir avec la sagesse de Dieu. Grandir avec la patience. Oh, il est bon d'avoir la patience du Seigneur. Celle qui, quand il nous regarde, et quand on se détourne de lui tellement souvent, pour revenir à lui et dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et puis après, on repart. Mais Dieu est patient. Et nous, quand il y a un frère ou une sœur qui ne nous regarde pas, et quand nous lui disons bonjour, on manque de patience. Et on est prêt à l'accuser. On est prêt à lui faire descendre les foudres du ciel. En disant,
Tu n'es pas véritablement un frère ou une sœur. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne m'as pas dit bonjour. Tu as détourné le regard. Grandir vraiment avec la sagesse de Dieu, c'est ce qui est important. La sagesse de Dieu, c'est d'avoir créé tout ce qui est autour de vous. Ce qui est autour de vous a été créé parfait, parce qu'il est parfait. Alors, cette sagesse, il nous la donne. Et même si nous voyons que nous manquons de sagesse, demandons-la au Seigneur. Et le Seigneur nous la donnera, cette sagesse. Quand nous voyons l'amour et que nous disons avoir de l'amour, il suffit de voir nos réactions envers l'un ou envers l'autre et nous saurons si réellement nous avons de l'amour. L'amour, l'amour, il pardonne tout. Amen. L'amour ne regrette pas d'avoir pardonné. Non. Mais l'amour, quand il dit qu'il pardonne, il pardonne, mais Amen. Il ne se souvient plus. Amen. Le Seigneur, quand Amen. Il vous a pardonné, quand vous êtes venu à lui, il vous a pardonné. Amen. Il a pris l'éponge, et avec le sang de la vie, il a tout effacé. Oh, la page qui était si rouge, si remplie de péché, il en a fait une page vierge, une page blanche. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Merci Jésus-Christ. Mais que l'amour de Dieu soit en nous, parce que toute chose passera, mais l'amour de Dieu ne passera pas. Amen. Mais c'est maintenant que nous devons chercher à être remplis d'amour. Parce que sans l'amour, vous ne verrez pas le Seigneur. Sans l'amour pour vos frères et votre sœur, vous ne partirez pas à la rencontre du Seigneur. Sachez-le bien. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas? Si vous n'aimez pas votre frère, Amen. Vous voyez. Amen. Toutes ces choses sont importantes. La parole de Dieu est très importante. Il n'y a rien qui ne soit insignifiant dans la parole de Dieu. Même le plus petit mot, même le plus petit trait de lettre. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse? Celui qui enlève un iota de ce livre de la vie, sa part est retranchée. Et pourtant, Dieu veille jalousement sur sa parole. Alors que sa parole soit une parole vivante en nous. Et que réellement, nous puissions marcher en faisant la volonté de Dieu. Amen. Afin que, au jour du Seigneur, quand il reviendra, nous puissions partir à sa rencontre. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Quand il est donné dans l'humilité et dans la simplicité, il n'y a pas d'orgueil. Il y a juste l'amour de Jésus-Christ. Amen. Pour ses enfants, pour ses serviteurs. Et cet amour-là, nous voulons la partager avec notre Seigneur pour chacun d'entre vous. Amen. Je pense que communier les uns avec les autres, c'est partager l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, l'amour que Dieu m'a donné, c'est le même amour qu'il m'a donné à chacun d'entre vous individuellement. Amen. Et cet amour-là, je ne l'ai pas recherché dans la religion, ni dans une philosophie quelconque, ni dans un dogme, ni dans quoi que ce soit. C'est juste cet homme qui est venu vivre sur cette terre en homme de douleur, soumis aux mêmes tentations que moi personnellement, mais il a vaincu. Amen. Et c'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Il y avait un homme de Dieu qui disait « Nous ne sommes pas immunisés contre la tentation, mais nous devons la vaincre. » Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette église, s'il y avait un grand tableau noir, j'aimerais prendre une craie et écrire sur ce tableau. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je pense que chaque croyant, chaque chrétien, mes bien-aimés, nous devons vivre ce passage de la parole de Dieu. Si Dieu n'a pas changé, nous ne pouvons pas non plus changer. Non. Nous lui appartenons. Amen. C'est notre papa. Oh, c'est mon papa à moi. Amen. Et quand je vois à travers la parole de Dieu que Jésus a pleuré, à plusieurs reprises, il a pleuré. Il a pleuré pour les siens. Il a pleuré pour Jérusalem. Il a pleuré pour son épouse. Et ce Seigneur-là, cet homme-là, cet homme de Galilée, combien je lui suis reconnaissant. Amen. Parce que si ces derniers jours, je verse quelques larmes,
Je sais que Dieu rétablira toutes choses. Amen. 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 Je suis heureux de voir mon frère et ma soeur d'Allemagne. Je suis heureux de pouvoir partager avec eux aussi. Amen. Amen. J'aimerais saluer tous ceux qui, souvent je l'oublie, tous ceux qui sont au loin, loin de la Belgique, loin de la France, et qui à ce moment-là nous écoutent. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Que le Seigneur, mon Seigneur, votre Seigneur, Amen. Notre Dieu, les accompagne. Amen. Amen. J'aimerais, ce matin je leur ai dit, particulièrement je salue des frères et des sœurs qui auraient pu être là ce soir, et qui malheureusement dans la maladie et les douleurs aussi, eux, eh bien ils sont à l'écoute ce soir. Il m'a dit, le frère Pascal, il m'a dit, tu les salueras aussi de notre part. Alors ce sont des frères de Rennes Wallers et qui me sont chers aussi. Amen. Amen. Car ils sont venus dernièrement dans cette église. Je bénis Dieu parce que à la fin de cette année, le Seigneur a permis que la semaine dernière, eh bien, je puisse encore faire passer par les eaux du baptême un nouveau frère en Christ, Amen. Une sœur en Christ aussi. Amen. Et tout ça, ça s'est passé dans l'église de mon frère, parce qu'il a un baptistère où je ne me souvenais plus qu'il y a quelques dizaines d'années, j'étais passé par ce baptistère-là aussi. Si nous pouvions imaginer tous ces hommes et ces femmes qui sont passés à travers ce baptistère. Que Dieu soit béni. Amen. Il est toujours le même. Amen. Amen. Alors que le nom de notre Seigneur soit réellement béni. Amen. Je suis heureux d'être là. Amen. Je suis heureux d'être avec mon frère, de pouvoir partager. Et je vais vous faire une promesse, c'est que mon frère a dit qu'il a été long, je serai plus court. Je serai plus court. J'ai dit à mon frère tout à l'heure, frère, juste une salutation, j'ai juste une petite parole. Vous savez, je suis toujours émerveillé d'apprendre. J'ai appris dernièrement encore un homme, un serviteur de David. Dieu a dit de lui que c'était un héros. Et vous savez, dans la Bible, il n'y a pas des millions d'héros. Pardon. Il y a des hommes qui ont combattu pour Christ, des hommes qui ont, et des femmes d'ailleurs, qui sont morts au nom du Seigneur Jésus-Christ, mangés par les lions. On s'est servi d'eux dans Rome pour éclairer les rues avec nos sœurs, avec leurs longs cheveux. On leur mettait ce sort de pétrole sur eux et on allumait. Et les rues de Rome étaient éclairées de nos frères et de nos sœurs. Mais moi, je pense que tous ces hommes, toutes ces femmes ont maintenant, depuis un petit moment, sont dans la joie de notre Seigneur, en tout cas leur âme. Et je bénis Dieu pour ces frères et ces sœurs-là. Ils ont été vraiment un exemple, un témoignage pour moi personnellement. Alors, que le nom de notre Seigneur soit béni. J'ai eu la joie, mais c'est la joie d'un homme et d'un chrétien, d'aller à Éphèse, et quand j'étais là assis dans cette arène, et je voyais tous ces hommes, toutes ces femmes, à moitié nus, en short, et moi je me disais, j'étais tout en haut, ma femme était en bas avec mon fils, et je disais, je bénissais Dieu, parce que mon frère Paul a été là. Alors je, comme un homme, je regardais tout. Je disais comme ça, je sais que mon frère a été là. Mon frère était là et j'étais dans la joie, comme un enfant. J'étais dans la joie parce que lorsque je regarde ce que Paul écrit à mes frères d'Éphèse et tout, je dis, mais moi j'y étais. J'y étais, amen. Mais la plus grande joie, c'est que je suis avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul, son ministère est terminé. Il a fini son travail, amen. Mais Jésus-Christ, lui, il est toujours là. J'aimerais être avec lui là où il est. Amen. J'aimerais qu'il soit avec moi. Amen. Parce que c'est ma vie. Amen. Je suis déçu de la famille. Je suis déçu de mes amis. Et jamais je serai déçu de mon Seigneur. J'ai déçu mon Jésus. Je l'ai déçu à maintes reprises. Je me suis manqué de lui, même en tant que chrétien. Et le frère avait raison tout à l'heure de le dire. Je compte sur l'amour de mon Seigneur. Amen. Je compte sur lui. Vous savez, j'ai perdu quelques kilos. Je ne fais pas régime.
Il y a beaucoup de choses que j'ai perdues. Mon docteur m'a dit, vous avez besoin d'une aide psychologique. J'ai souri. J'ai dit, oh non, docteur, je n'ai vraiment pas besoin de votre aide. Dernièrement, j'ai appelé un autre serviteur, non pas pour, mais pour savoir ce qu'il pensait de ce que j'avais en ce moment, cette lutte. J'ai eu deux réponses. Une réponse de mon frère, ici présent, et une autre réponse. Je ne veux pas critiquer, c'est un serviteur de Dieu, et Dieu ne se repent pas des dons qu'il fait aux hommes pour l'autre serviteur. Ce frère m'a dit, j'ai un autre métier, maintenant je suis thérapeute. Je m'occupe des problèmes familiaux, des couples. Je dis, oh frère, c'était mon ancien pasteur. Frère, c'est pas lui que moi je demande quelque chose. C'est au serviteur de Dieu. Frère, ça. Jésus-Christ n'a pas besoin de faire des études pour comprendre les problèmes et les épreuves des frères et des sœurs. Amen. Alors, le Seigneur m'est témoin. Je suis là sur cette chair de vérité. Et ce que le frère a dit et m'a dit, c'est à 100% la vérité. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, je savais que le frère allait dire les mêmes choses que j'ai dit à cette personne que je connais et qui m'est chère. Je bénis Dieu, mes frères et sœurs, parce que c'est aussi dans l'humilité et de la simplicité que l'on doit répondre et qu'on doit parler à ses frères et à ses sœurs. Amen. Que Dieu soit loué. J'aimerais, si vous me permettez, ouvrir juste la parole dans 2 Corinthiens. C'est juste 2 versets. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Et juste un verset dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Juste au verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. » Amen. Pouvez vous asseoir, mes amis. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'aimerais à présent vous apporter cette petite exhortation. Il vous faudra encore une fois ouvrir la parole de Dieu et nous lirons, si vous le voulez bien, dans 2 Samuel, au chapitre 23. 2 Samuel, chapitre 23. Juste 3 versets, au verset 20 jusqu'au 23. C'est l'histoire de cet homme que je ne connaissais pas. Pourtant, il y a quelques dizaines d'années que j'ouvre la parole de Dieu et que je sais que je demande au Seigneur de me faire comprendre sa parole. On a besoin, pas simplement de lire. Je disais dernièrement à l'église, je répétais les paroles d'un serviteur de Dieu que j'avais entendu, et il disait... Je bénis Dieu, moi, que mon papa et ma maman m'ont envoyé à l'école pour apprendre à lire et à écrire. C'est bien de savoir lire et de savoir écrire. Mais si je ne vais qu'à l'école pour apprendre à lire et que j'ouvre ma Bible,
C'est pas sûr que je vais comprendre ce que je lis. Maintenant, ce serviteur disait, je bénis Dieu. Parce que quand j'ouvre ma Bible, le Seigneur me révèle. Amen. Quand j'ouvre ma Bible, le Seigneur m'apprend. Amen. Amen. Sondez les Écritures. Que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Amen. Alors, ce serviteur de Dieu avait raison. Merci papa. Merci maman. Mais merci Seigneur. Amen. Parce que ce que je lis, je le comprends. Amen. Grâce à lui. Amen. Dieu soit béni. Amen. Samuel, chapitre 23, verset 20. Donc, c'est de cet homme que nous voulons lire, voir. Benaja. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Katzel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion. Et regardez ce que la parole de Dieu nous précise. Un jour de neige. Ce jour-là a cette importance, mes bien-aimés. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable, ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30. Mais il n'égala pas les trois premiers. Et David l'admit dans son conseil secret. Amen. Amen. Benaja. Peut-être aux yeux de certains, c'était quelqu'un de quelconque. Mais aux yeux de Dieu, c'était quelqu'un de particulier. Aux yeux de David, c'était un héros. C'était quelqu'un de particulier, quelqu'un de mis à part. Amen. Et cela me fait repenser à la parole de Dieu. Jésus vous a mis à part. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des fils et des filles du roi. Amen. Donc, nous sommes princes. Donc, mes sœurs, vous êtes princesses. Oui, il aime lorsque nous nous humilions. Amen. Mais n'oubliez jamais, mes bien-aimés, si pour le monde vous êtes des héros comme moi, aux yeux de Dieu, nous sommes ses héros. Amen. Ses héros. Amen. Nous sommes ses fils et ses filles. Et c'est là que, vous savez, cela prend toute son importance aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous ne voulons pas nous remplir d'orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Mais soyez fiers. Amen. Soyez fiers de lui appartenir. Amen. Soyez fiers, mes bien-aimés. Parce qu'avec Dieu, comme Benaja, vous ferez des exploits. Amen. Amen. Dieu l'a promis. Jésus l'a promis, mes bien-aimés. Amen. J'aimerais... J'ai lu cette histoire, je l'ai écrite... Parce que je l'ai trouvée tellement belle. J'aime ce héros Ittai aussi. Ittai de Gad. C'était un mercenaire. Quand David l'a pris dans son armée, c'était qu'un simple mercenaire. Et vous savez pourquoi ce mercenaire est venu combattre pour David? Parce que David le payait mieux que les autres. Amen. Mais quand Ittai a grandi. Il est devenu non plus un mercenaire, mais au contact de David, il est devenu un serviteur. Et lorsque David passe par un moment difficile, vous connaissez cette histoire. David l'appelle et lui dit, tu m'as assez servi. Maintenant, prends ta famille, prends tes armées
ton armée, tes hommes, et je te laisse repartir. Il y a là une réponse merveilleuse. Que je vive, ô roi, ou que je meure, alléluia, que ce soit pour toi. Amen. Dieu a rétabli David. David, lui, s'est souvenu de cet homme. Amen. Il est devenu un grand. Amen. Que Dieu soit béni. Que cette histoire, mes bien-aimés, vous savez, j'étais aussi ce style de mercenaire. J'allais dans cette église-là, quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que je voyais des jolies petites sœurs. Oh, j'avais pas l'esprit vicieux, c'est pas ça. Mais déjà, à l'âge de 17 ans, je voulais me marier, je voulais fonder une famille. J'ai, comme le frère disait tout à l'heure, on devançait un peu ce que Dieu avait pourvu pour chacun d'entre nous. Alors j'étais à ma façon un mercenaire, jusqu'au jour où j'ai appris que je pouvais devenir aussi un serviteur, être comme le maître, le servir avec les armes que le Seigneur me donnait. Et ça change, vous savez. Ça change que d'aller dans toutes les églises, manger là, boire là, faire ceci, faire cela. Je n'avais pas encore lu ce que l'apôtre Paul disait dans la Bible, dans sa parole. Ne soyez pas comme certains. Ne quittez pas vos saintes assemblées, comme c'est une coutume pour certains. Amen. Amen. Ça, je n'avais pas encore compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats en tant que serviteur de Dieu. Non pas que je veuille que tout soit là autour de moi, mais je veux que tout soit là autour de la parole. Amen. 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 Je pense que malgré les épreuves, malgré parfois, on n'est peut-être pas toujours d'accord avec ce que le serviteur de Dieu dit. Mais nous voulons rester unis. Amen. Nous ne voulons pas quitter nos saintes assemblées. Amen. Ce n'est pas chez nous une coutume, frères et sœurs. C'est comme en amour, il faut être fidèle. Amen. Et l'amour de Jésus-Christ, mes bien-aimés, est fidèle envers nous. Amen. Amen. Nous voulons être fidèles envers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc Benaja était un serviteur de David. La parole de Dieu le présente comme un héros. Tout à fait. Il nous raconte donc cet exploit. Il s'est battu contre un lion. En plus, il était dans une position assez compliquée. Il était dans une fosse. Pas de retraite. Rien du tout. Face au lion. Et en plus, nous dit la parole de Dieu, c'était un jour de neige. Ça compliquait encore les choses. Mais Dieu était avec cet homme. Amen. Amen. Quel est celui d'entre nous qui n'a pas connu ce genre d'épisode? Je pense que quelques-uns sont peut-être passés par la vallée de l'ombre de la mort. Certains peut-être ont été atteints par la maladie, atteints par, c'est quelque chose à la mode, le chômage. Peut-être que certains d'entre vous ont été abandonnés. Mais Dieu est avec nous, mes bien-aimés. Amen. Celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est en nous. Amen. 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 Dieu soit béni, mes bien-aimés. Si Dieu est avec nous, qui donc sera contre nous? Amen. Mais pour cela, il nous faut briser notre chair. Amen. Pour cela, il faut que le Seigneur fasse une œuvre en moi aujourd'hui. Amen. Et quand je dis aujourd'hui, le frère comprend ce que je dis. Parce qu'il y a toujours cette satanée chair qui est là. Et lorsque je m'arrête à ce que mes yeux voient aujourd'hui, à ce que mes oreilles entendent aujourd'hui dans ma propre famille, alors oui, je pleure. Mais grâce au Seigneur, sur ce tableau noir, j'ai mis ma confiance en lui. Amen. Qu'importe les avocats, qu'importe mon médecin, qu'importe ce que mes propres enfants me disent, j'irai.
J'irai parce que le Seigneur me l'a demandé. J'irai parce que le Seigneur, comme mon frère, il nous a appelés. Amen. Amen. J'entendais tout à l'heure, il y a juste raison, il y a beaucoup d'appelés. Mais il y aura peu d'élus. Amen. Comme disait Itaï, que je meure et que je vive. Frères, sœurs, alors que je meure ou que je vive, que ce soit pour mon Seigneur. Amen. Après tout, si je regarde la fin de mes frères, ceux qu'on cite, les disciples, les apôtres, quelle fin ils ont eue. Alors pourquoi nous n'aurions pas cette fin aussi? Du moment que mon âme est sauvée. Amen. Du moment qu'un jour, au son de la trompette, mon corps ressuscitera. Amen. Conformément à la parole de Dieu. Amen. Et comme disait mon frère tout à l'heure, si je combats le juste combat, si je combats jusqu'au bout, nous sommes à la fin des temps. Vous voyez ce qui se passe? J'étais pas au courant qu'à Berlin, hier, il y avait eu ça. Nous sommes tous au courant, mes bien-aimés, de ce qui se passe dans le monde. La misère, ces enfants, ces personnes âgées, ceux qui n'ont pas demandé la guerre chez eux. Le pire, c'est qu'ils se battent entre frères. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit et nous avait prévenu. Et ce n'est pas encore la fin, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à combattre le juste combat comme cet homme. Benaja. Comme cet homme, bien-aimé. Si Satan vient sur notre chemin, et il essaye en ce moment. Il essaye. Mais il crie fort. C'est vrai que sur le coup, l'homme de Dieu disait, crie encore plus fort que lui. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que nous désirons faire ce soir. Amen. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Le Seigneur nous a montré le chemin. Frères, sœurs, Jésus n'est pas un menteur. Non. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce soir, je suis venu pour écouter la parole de Dieu. Il se peut que ce soir, le Seigneur me parle. Il se peut que ce soir, le Seigneur parle à quelqu'un d'entre vous. Mais vous devez savoir une chose, c'est que la parole qui va être dite, elle est pour tout le monde. Amen. 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 Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Amen. Amen. Vous savez, chez nous, il y a eu des poètes, et il y avait là. Moi, quand j'étais enfant, j'avais lu La Comtesse de Ségur. Et il y avait un roman, mais vraiment à l'eau de rose. Hein, c'est plus ce qu'on voit, les cochonneries qu'on voit aujourd'hui. C'était « Après la pluie, le beau temps ». Alors chez moi, il pleut. Chez moi, il y a l'orage. Chez moi, je vois non seulement la pluie, mais un gros nuage noir. Alors je pense à la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a l'ombre, et heureusement. Si c'était la vallée de la mort, je serais mort. Mais la vallée de l'ombre de la mort, c'est là où il y a le soleil. Heureux de le voir ainsi. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Je suis consolé quand même. Amen. Que Dieu te bénisse encore. C'est vrai quand il dit que chez moi il pleut, chez moi c'est sombre. Comprenez ce qu'il veut dire. Il a vraiment besoin de vous. Amen. Il a besoin de nous en tant que frères et sœurs, que nous puissions prier avec lui. Et l'aider aussi, c'est dans les épreuves et malheurs pour moi et moi qui sont ses amis. Amen. Et comme aussi, il nous
porte dans son cœur, nous aussi nous la portons dans notre cœur. Amen. Son combat, c'est aussi notre combat. Amen. Ses épreuves sont aussi notre aussi. Amen. Pour ça, nous nous mettons à genoux pour lui. Amen. Sa victoire est notre. Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, fortifie notre cœur et fasse sortir victorieux. Amen. Oui, alléluia. C'est pour cela que Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Nous devons porter le fardeau les uns les autres. Aujourd'hui, il avait ce désir d'être parmi ses frères et sœurs. Amen. Parce qu'il se disant, si je suis seul, je me sens aussi accablé. Quand je peux me retrouver avec mes frères et sœurs, je me sens tellement heureux. C'est pourquoi, vous voyez, j'ai dit, je suis heureux parce que je vis comment le Seigneur. Alléluia. C'est là consoler mon cœur. Et je disais tout à l'heure, alors que je l'écoutais, j'ai dit, Seigneur, nous allons que nous lever et puis prier. Amen. Et remercier le Seigneur parce que nous avons entendu. Et je crois que le Seigneur nous a aussi parlé. Vous savez, Dieu a une façon de conduire les choses et nous le remercions vraiment pour son amour et sa bonté à notre endroit. Nous sommes un peuple privilégié comme mes précieux frères l'ont dit, mais parfois nous ne réalisons pas vraiment cette grâce, cette grandeur de la grâce que Dieu nous a vraiment accordée. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme le monde, mais nous sommes vraiment un peuple tout à fait différent. Mis à part pour servir réellement ces dieux et surtout être manifesté dans ce monde. La Bible dit qu'il y a encore un peu et encore un peu de temps. Et quand on parle d'encore un peu de temps, c'est vraiment encore un peu de temps. Mais ce Seigneur, notre Dieu, est vraiment à l'œuvre. À moins que nous soyons des aveugles ou bien que nous soyons dans une religion. Et oui, quand nous sommes dans une religion, nous ne pouvons pas voir effectivement ce que Dieu est en train de faire. Parce que nous sommes dans un système, effectivement, où nous suivons les préceptes, les règles des hommes, ainsi de suite. Mais quand nous sommes effectivement dans le corps de Christ lui-même, où son esprit à lui est en train de pouvoir agir effectivement et de montrer effectivement que c'est Jésus, comme mes frères l'ont dit tout à l'heure, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour les religions, il est mort, il est quelque part, mais pour nous, il est mort, il est vivant. Et il vit effectivement dans chacun de nous. Et s'il vit dans chacun de nous, effectivement, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai les consolateurs, l'esprit de vérité qui doit vous conduire dans toute la vérité. C'est à nous que le Seigneur a fait la promesse, qu'effectivement, qu'il enverra le consolateur. C'est pour qu'il puisse nous consoler, pour qu'il puisse réellement aussi nous rappeler que ce qu'il a dit est vrai. Et puisqu'il a dit effectivement et que cela est vrai, il veille pour pouvoir l'accomplir. C'est pour ça, les découragements ne peuvent pas être dans le cœur d'un véritable croyant. C'est vrai, les douleurs peuvent venir effectivement, et puis les situations peuvent passer effectivement. Mais au travers des situations que nous passons, Dieu est en train de pouvoir tailler son homme. Il taille effectivement son fils, il taille effectivement sa fille. Nous sommes appelés à pouvoir passer par là. Personne parmi nous ne peut penser pouvoir aller au ciel sans passer par les taillements, sans passer par l'épreuve. Nous devons passer. Et c'est là aussi que par là que le Seigneur permet que notre caractère et ce que nous sommes soient aussi manifestés et surtout aussi que notre nature à nous soit aussi manifestée, qu'on sache effectivement ce que nous sommes. Et c'est dans l'épreuve effectivement aussi que toi aussi tu peux savoir qui tu es par rapport à toi. Parce que c'est vrai, nous sommes dans un temps où, comme nous avons eu l'occasion de pouvoir l'entendre il y a un temps de cela, qu'il y a des moments où nous pouvons être dans l'incertitude, en fait, en se posant la question de pouvoir savoir, est-ce que je suis à Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appartiens à Dieu ou pas? Est-ce que je suis un fils de Dieu? Est-ce que je suis un élu de Dieu? J'ai dit, frères et sœurs, bien-aimés au Christ, aucun parmi nous, un frère ou une sœur, ne peut pas avoir le doute de ce que lui, il est. Le catholique peut probablement avoir des doutes. Le protestant, les baptistes et tout cela, les mennonites et tout cela, chacun d'eux peut arriver à pouvoir avoir des doutes parce que il se réfère à leur religion. Mais toi, la personne en laquelle Dieu a éclairé, mon frère et ma sœur,
Parce que la Bible dit que lève-toi et sois éclairé, car ta lumière, donc c'est ta lumière à toi. Donc si elle est venue vers toi, même si à cet moment je ne voyais pas tellement très bien, mais lorsque la lumière brille, je peux voir clair. Si hier j'avais des doutes, je disais, mais est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je suis? Mais aujourd'hui, je ne peux plus avoir des doutes, monsieur. Pourquoi, monsieur? Ta parole à toi est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu te donne la certitude. Parce que Dieu ne peut pas t'instruire pour rien. Dieu ne peut pas t'enseigner pour rien. C'est pourquoi il a dit, je te loue. Alléluia. Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché, ces choses. Aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélés, effectivement, aux enfants. Alors, nous réalisons qu'effectivement, que si Dieu nous accorde la grâce de pouvoir recevoir la révélation, parce que c'est le secret de Dieu, c'est la pensée de Dieu. À propos de ce qu'il a, c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir le dire, la révélation de Dieu, effectivement, ce ne sont pas des choses qu'on peut inventer comme des tonnerres, ceci et de cela, qu'on raconte toutes ces banalités que les gens croient, effectivement. Déjà, quand vous croyez des choses comme des tonnerres qui ne sont même pas la parole de Dieu, vous témoignez par là qu'il n'y a rien de Dieu en vous. Parce que si vous êtes de Dieu, vous ne croirez que ce que Dieu a dit. Amen. Dieu m'a appelé, t'a appelé toi, pas par des tonnerres, mais par sa parole. Amen. Alors ma foi est basée pas dans le vide. Non, monsieur. La foi d'un fils de Dieu, pas c'est pas dans le vide, c'est basé sur quelque chose de certain. Amen. Donc Dieu m'a parlé, Dieu m'a appelé. Pourquoi Dieu m'a appelé? Alors il y a un but pour lequel il m'a appelé. Donc je sais pourquoi Dieu m'a appelé. Je ne sais pas parce que j'imagine, mais je sais parce qu'il a dit. Alléluia. Et c'est écrit. Notre frère Daniel, je pense, il a dit. Je pense celui qui avait fait cela, notre frère Yves, effectivement. L'un d'eux a dit effectivement que le Seigneur a dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc, moi, je ne me prépare pas pour quelque chose d'incertain ou quelque chose d'imagination. Non, je m'accroche à quelque chose qui est sûr. C'est-à-dire qu'il m'a dit que je m'en vais te préparer une place. Donc je ne peux pas imaginer parce que je m'accroche, je ne sais pas ce qui va se passer. Non, je suis sûr et certain que même si je mourrais aujourd'hui, et comprenez, vous savez, je l'ai dit l'autre fois, je pense ici, frère, il y a quelque chose qui doit se passer, frères et sœurs, dans le cœur de chaque fils et chaque fille de Dieu. Amen. Il faut que réellement que cette assurance, ce n'est plus un jeune de pouvoir dire, bon, je suis un chrétien, non. Ça devient une réalité, ça doit être au-dedans de toi que ceci est ce que je suis. Amen. À tel point que je disais l'autre fois, je dis quoi, je disais toujours le coup de l'estimer, même si on te prend aujourd'hui, si tu es de Dieu, et qu'on t'enfonce effectivement dans l'enfer, que tu descends effectivement dans l'enfer, si bon, le chemin là, le chemin était, ça c'est le chemin pour aller au ciel, et ça c'est pour l'enfer, et qu'on se soit trompé. Je donne un exemple, qu'on se soit trompé, que quand tu viens, on se soit trompé, on t'envoie dans les eaux de l'enfer, même l'enfer va te rejeter. Alléluia! Il y a un problème! Vous m'envoyez quelqu'un dont il n'a pas la place ici. Alléluia. Oh, sois mon Dieu, Seigneur. Pourquoi, mon frère? Parce que pour toi, Dieu a déjà préparé une place. Il n'a pas de place ici, lui. Sa place est de l'autre côté. Cette assurance, mon frère, vous devez l'avoir. Alléluia. C'est quelque chose qui doit être offert. Parce que c'est ça même quand on parle de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la Bible continue en disant, mais une démonstration de celle qu'on voit. Abraham, il possédait déjà. Parce que quand Dieu lui a parlé, effectivement, qu'elle allait avoir un fils, pour Abraham, c'était réglé. Alléluia. Le corps disait, mais Abraham, tu es vieux. Il dit, mais non, monsieur. Alléluia. Dieu me l'a dit. Amen. Dieu me l'a montré. C'est suffisant Alléluia. Pour moi. Alléluia. C'est comme ça. C'est ça, précieux frère. Et puis, les mes soeurs, vous entendez dans cette réunion? C'est ça qu'on doit comprendre, ce qui fait de nous, pourquoi nous sommes là. Pourquoi tu t'appelles chrétien? Parce que tu n'es pas là pour être dans l'incertitude. Parce que si tu l'es dans l'incertitude, le jour où tu mourras, tu ne verras jamais Dieu. Amen. Parce que quand tu es incertain, tu n'es pas un croyant. Amen.
Parce que moi je crois, parce que je suis sûr. Pourquoi est-ce que je l'ai reçu comme mon sauveur personnel? Parce que mon père m'en a dit? Non. Parce que mon cousin me l'a dit? Non. Parce que moi-même, Amen. Je réalisais que lui, là, il a la capacité de me sauver. Amen. Et puis, il l'a fait pour moi. Amen. Comme mon frère le disait tout à l'heure, c'était bon, c'est vrai. Donc, chacun de nous est conscient de pouvoir réellement être ce que Dieu a voulu qu'il soit, effectivement, pour lui. Parce que si Dieu est réel pour moi, Amen. Et moi, en tant que croyant, je ne vis pas dans un monde imaginaire. Amen. Non, un croyant, il ne vit pas dans ce qu'on peut penser comme étant une illusion. Vous pensez que, comme mon précieux frère Yves le disait tout à l'heure, parce que vous n'avez peut-être pas vraiment pérennisé cela, que ses frères et ses sœurs qui étaient là, qui acceptaient de pouvoir qu'on brûle leur corps au feu, là, ils étaient incertains. Frère, ces gens-là, qui acceptaient qu'on puisse même le scier parce qu'on disait, mais il faut régner que c'est Jésus et ceci et cela, il faut accepter l'empereur comme Dieu. Mais, vous savez, ils pouvaient dire aussi, mais évidemment, mais moi aussi, mais je vais vivre effectivement. Mais à cause de ces Jésus, pas parce que simplement ils en avaient entendu parler, mais c'est ce que Jean a dit. Mon oreille avait entendu parler de ça. D'abord, c'était Jean qui avait dit. Mais Jean a dit, mais ce que nous avons entendu, ce que nous aurions entendu, et que nos yeux ont pu voir, quelle certitude. Et que nos mains ont touché, alors là, monsieur, comment peux-tu me changer d'avis? Parce que je suis certain que c'est Jésus est vivant. Mais il était mort, certainement, mais nous l'avons vu mort. Mais nous l'avons vu aussi ressuscité parce que nous l'avons vu après sa résurrection. Donc comment peux-tu me dire, ne parle pas de ce Jésus qui est ressuscité? Non, je ne peux ne pas dire ce que moi j'ai vu entendu. Donc je suis certain, mais si toi, tu n'avais pas eu effectivement l'expérience que ce Jésus est ressuscité, tu ne vas pas tenir ferme. Tu arriveras certainement à renier parce que tu n'as pas la certitude. Le manque de certitude et d'assurance ne pourra jamais te permettre de pouvoir aller de l'avant. Messieurs, c'est la vérité 100%. Ils ont tourné. Pourquoi? Dieu leur a dit, mais c'est à vous, prenez possession. Vous vous souvenez? Amen. Prenez possession. Prenez possession. C'est à vous. Je vous ai amené là, jusqu'à cette montagne. Vous avez même vu. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ça, je me suis toujours dit, Seigneur, comment que Dieu est pitié. Amen. Bon, je dirais peut-être qu'à ce moment-ci, ils n'avaient pas vu, venez bon peu. Mais là, s'il vous plaît, frères et sœurs, ils sont venus, ils sont sortis avec la preuve que c'est vraiment, alors là, un pays où coule le lait, le miel. Il faut vraiment être maudit. C'est pour ça qu'on parle de réprouver la foi, non, c'est dire maudit. Il faut être maudit, monsieur, pour ne pas croire, parce qu'on te montre même les évidences qui sont là. Que c'est vraiment comme Dieu l'a dit. Et toi, tu dis, en tout cas, nous ne sommes pas capables de pouvoir prendre possession de cela. Mais c'est normal. Puisque tu n'es pas capable. C'est pas que Dieu t'a donné la capacité. Amen. Parce que tout au long du chemin, Alléluia. Si Dieu ne voulait pas que tu puisses arriver là-bas, il n'est pas contraire à te conduire jusque là-bas. Mais il est arrivé. Parce que toi, mon frère, vous savez, Dieu ne va pas croire à ta place. Dieu ne va pas être animé. Et je veux croire pour ta foi. Pour... Non, tu es appelé à pouvoir croire parce que c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Mais dans la foi qui vient de Dieu, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'incertitude. Est-ce que c'est possible? Si déjà tu dis, est-ce que j'arriverai? Normalement, est-ce que j'arriverai? Si déjà il y a un doute, tu ne pourras pas être enlevé. Tu peux entendre les prédications. Frères et sœurs, à quoi te servirait de connaître les prophètes, de connaître les prédications, de croire même en lui, d'embrasser même ses chaussures et ses pieds, tout ça, si tu n'as pas la foi? C'est vrai. Je connais, moi, et je crois le message. Tous ceux qui sont dans la dénomination sont des vendus, sont des perdus et tout ça. Moi, je crie le message et tout ça. Puis je pars, je partirai. Mais tu partiras où? Vous voulez que je vous lise une écriture? Amen. 1 Corinthiens. Après, nous allons prier. Comme j'ai dit tout à l'heure, je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. 1 Corinthiens,
chapitre 13. Le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un d'airain qui résonne, ou une cymbale qui résonne. Quand j'aurai les dons de prophétie et la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, donc tous les sons je connais. Concernant le message du temps du soir, je connais. Tout ça, je connais. Je connais, je connais, je connais comment. Et j'ai toujours eu à pouvoir le dire, je le répète toujours, comme je dis toujours, le message ne vous sauvera jamais. Jamais. Amen. Le message n'a jamais sauvé personne. Amen. Je le répète encore. Le message n'a jamais sauvé personne. Amen. 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 Parce que le message n'est pas le sauveur. Oh. Il n'y a qu'un seul qui te sauve. Alléluia. Tu peux connaître le message, mais si tu n'as pas celui qui a envoyé le messager, si tu n'as pas celui qui envoie le message, tout ça ne te sert à rien. Amen. Absolument à rien, monsieur. Tu peux bien connaître, parce que c'est vrai, quand j'en vois les gens qui se battent et brochent tel extrait, tel le prophète a dit pour faire une compétition, ceci et cela, difficile, revient toujours. Compétition à gauche et à droite, ceci et cela. Frères et sœurs, ça ne vous sert absolument à rien. Oui. Vous savez, je ne vais pas citer son nom. J'ai une sœur qui est venue me voir. Je ne sais pas, ma sœur, t'inquiète pas, que tu es venue me voir à mon bureau après la réunion. Je ne sais pas, je ne vais pas citer son nom, ton nom. Je vois après la réunion, elle dit, mais frère Léonard, j'ai entendu, c'était dimanche. J'ai entendu la prédication, tu as dit, non, quand tu as dit que ah, les prophètes, ils ne servent à rien, enfin, ils n'étaient pas importants, ils n'étaient pas importants, je me suis senti blessé. Je dis, mais il n'y a pas de problème, parce que tu es senti blessé. Et pourquoi? Parce que moi, je sais que les prophètes ont apporté le message, ils ont apporté la parole de Dieu, et qu'il a apporté aussi. Comme je ne connaissais rien, la révélation, ainsi de suite. Alors, quand tu dis qu'il ne sert à rien, je dis, moi, il a apporté beaucoup, évidemment. Alors, j'ai dit, mais, je n'ai pas mal, mais je suis un exemple. J'ai dit, ma soeur, ça fait combien d'années que tu es dans cette assemblée? Ça fait combien d'années, quand même, tu dois me connaître? D'après toi, je te pose la question. Je ne crois pas que le prophète de Dieu est un prophète de Dieu. Est-ce que, d'après toi, je ne crois pas que cet homme est un serviteur de Dieu qui a eu à pouvoir porter la parole de Dieu? Oui, je crois que tu crois. Alors, j'ai dit, pose la question, j'ai dit, alors, maintenant, où est le problème? Oh, mais quand je me suis senti blessé en moi-même, j'ai dit, ah, c'est bien, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que mon Dieu est blessé, qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai dit, je lui pose encore la question, j'ai dit, mais là, il ne va pas bien. Ces prophètes, j'ai dit, j'ai même fait lever frère Jonas dans l'assemblée. J'ai dit, Jonas, que vous voyez ici, il est assis là, personne ne le connaît. En Australie, voilà, on le connaît. Il vit sa vie avec sa femme, il n'y a que moi et vous qui le connaissons. Et il est bon ici. Vous connaissez? Jonas, si vous ne le connaissez pas, lève-toi, mon frère Jonas. Je l'ai fait lever dimanche aussi, les pauvres, les pauvres. Tourne-toi quand même quand tu vois. C'est celui Jonas. Voilà, assieds-toi. Il s'appelle Jonas Femme. Alors j'ai dit maintenant que le Seigneur maintenant mette l'esprit d'Élie sur lui. Le nom de Jonas Femme sera connu dans le monde entier. N'est-ce pas? Ben alors, aussi longtemps que Dieu n'a pas mis cet esprit là sur lui, qui connaît Jonas Femme? Alors qui est important? C'est Jonas Femme ou celui qui utilisera effectivement Jonas? Est-ce que Jonas est important? Non. Alors je ne comprends pas comment on peut venir me dire, je suis blessé, je n'ai pas dénigré le nom de Dieu. J'ai voulu que vous puissiez voir effectivement que l'homme n'est pas important. Celui qui est important, c'est Dieu. C'est Dieu, parce que même si vous me dites, oh la révélation sur la montagne, si Dieu n'avait pas donné cette révélation, lui, William Branham, allait la voir haut. Et je l'ai dit, j'ai dit encore, j'ai dit, mais
si Dieu n'avait pas visité cet homme, tu n'aurais même pas connu William. C'est 100% vrai. Il vivrait avec sa femme et ses enfants, il mourrait, personne ne le reconnaît. Mais parce que Dieu est venu, effectivement, alors c'est Dieu qui est important. C'est lui qui donne la valeur aux hommes et aux femmes. Alors je dois glorifier qui? C'est comme ça, celui qui donne la valeur aux hommes. C'est pour ça qu'il faut avoir des oreilles pour entendre. Et le cœur pour comprendre effectivement la parole de Dieu. Autrement, vous serez des fanatiques, des gens qui sont possédés par l'organisme de Satan. Et c'est ça que Satan cherche à ramener les gens. J'ai dit aussi dimanche, les gens se combattent. Mon prophète, vous n'avez pas dit, mais ce prophète, il est à toi. D'abord, William Branham ne te connaît pas. Tu vis dans un village de catacombes là-bas, où je ne sais pas comment on a. Et puis tu dis, oh, tu as parlé de mon prophète, je vais t'étrangler. Mais pourquoi tu veux m'étrangler? Il ne te connaît même pas. Il ne sait même pas qui tu es. Il est d'ailleurs mort. Puis ses enfants ne te connaissent même pas. Tu veux me tuer pour lui? Si tu me disais que j'étranglerais pour Jésus. Ah oui, je dirais, mais là, tu as le droit. Pourquoi? Parce que lui, il te connaît. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ aussi, il te connaît. Parce qu'il t'a appelé par ton nom. Donc, je me bats pour Jésus, pas pour les hommes. Et c'est vrai, tous les hommes t'abandonneront. Et les prophètes se reposent là-bas, monsieur. Il a fait son travail, il est repos. Toi, je vais tuer les frères. Oh, tu dis les frères pour rien. Oh, il a mal parlé du prophète, messieurs. Mais quand on parle mal de Jésus, tu ne dis rien. Oh, pour qu'on voit dans le message. Mais dans quel message d'ailleurs? Si le Seigneur n'avait pas envoyé ce message, tu n'aurais même pas su ce que c'était le message. Mais tu prends maintenant le vase, c'est même plus important que le donateur lui-même. C'est un problème. Alors, on doit être éduqué. Spirituellement, on doit revenir dans la foi de nos pères. Pour croire, c'est pour ça que le message a été envoyé. Pour que nous croyons comme nos pères ont cru. À savoir, la pierre angulaire. Alléluia. J'aime l'apôtre Paul. Il dit, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Aucun autre fondement n'a été posé, à savoir... Jésus-Christ seul. Alléluia. Je l'aime beaucoup parce qu'il a dit je suis l'alpha et l'oméga. Donc on commence avec lui. On